elle ne marche plus pressément et prend le temps de bien vivre. Va se poser, s'il, tranquillement, et lire un livre. Elle a donné toute sa vie à tous les membres du quartier. Était la deuxième maman sur qui il pouvait compter. Elle allait très fatiguée, mais toujours la même jouvence. Dans la cour à la récré, y a le vide de sa présence. Les marelles sont à Byzance et le vieux platane est triste, comme un manquement à l'enfance, comme une balle sans artiste. C'était comme notre madone, notre tiroir au secret. Un petit bout de femme comme bien des mots mûs j'aimerais. Elle ne marche plus pressément, le regard plein d'amertume. Elle s'en va tranquillement, n'aime pas les habitudes. Elle nous disait le train-train, c'est le cimetière du pauvre. Nous disait qu'il n'ose rien dans cette visse sclérose. Elle nous faisait voyager, aimer le monde et ses gens. Au travers du français, des cours d'histoire et géo. Parler allemand couramment, un petit peu le maroco. On rigolait bien souvent, je la vois encore sous le préau. C'était comme notre madone, notre tiroir au secret. Un petit bout de femme comme bien des momus j'aimerais. Maintenant, que ferait-elle dans ce monde de bisounours, où les réformes se martèlent et se marchent sur les bourses, où le social surplombe et divise même les mômes, où chaque rentrée est une bombe, bientôt surveillée de drones. Elle avait les traits fatigués de l'univers fabriqué, où plus rien ne t'appartient, même plus tes propres pensées. Elle est partie ce matin, sans mot dire, s'est effondrée, sa tasse de café à la main. 6 heures venaient de sonner, c'était sa dernière entrée. C'était sa dernière rentrée.